Salut, mes petits ploppeurs. Nos amis Paf et Pomme ont été dessinés, donc ce matin, c'est... Pépin, naturellement. On se met au travail. Commençons par un ovale debout, puis au-dessous de celui-ci, un ovale couché. Ensuite, dessinons un nouvel ovale, cette fois un peu plus grand, en suivant les contours de l'ovale couché. Au-dessus, dessinons deux petits ovales pour les oreilles et relions-les à la tête. L'intérieur des oreilles ressemble comme deux gouttes d'eau à une goutte à l'envers. Le nez est un demi-ovale avec, à l'intérieur, un triangle aux bords arrondis. Sous la moustache se trouvent deux grandes dents et un arc formant les lèvres. Pour les yeux, dessinons deux petits cercles, puis deux cercles plus petits à l'intérieur. Ensuite, dessinons les sourcils et une petite mèche sur sa tête. Dessinons des petites touffes de poils sur son museau et six longues moustaches. En traçant des petits arcs de cercle, dessinons sur les bords extérieurs du grand ovale le pelage de notre ami Pépin. Complétons avec un peu de pelage au-dessus des sourcils. Colorions toute la tête en brun en commençant par les oreilles. L'intérieur des oreilles est rose et le bout de son nez est bleu. Le pelage au-dessus de ses sourcils est gris, tout comme les petites boules dans ses oreilles et le pelage extérieur. Il ne reste qu'à colorier les pupilles en noir, tout comme le nez, les sourcils et les moustaches.
Waouh, quel magnifique dessin! Bravo! À très bientôt!